Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Comment expliquer que nous soyons devenus sourds et aveugles à tous les signes? Pendant des années, nous avons refusé de comprendre que nous n'étions que dans une prospérité illusoire, factice, que nous vivions dans une bulle dorée. Nous traitions quiconque tentait de nous réveiller de Cassandre, d'oiseau de malheur, de Hassed, qui noircissait ce qui ne pouvait atteindre. Maïkhosna Welou, alhamdulillah, arrêtez de critiquer l'Algérie, répondions-nous à quiconque tentait de nous secouer de notre torpeur, de la douce somnolence où on nous avait plongés. Et même que nous détournions notre regard du sort de millions de gens qui vivent dans des conditions infra-humaines. Tous ces damnés de la terre qui ne profitaient pas des miettes, comme nous. Atterterasi, rappelions-nous à notre vestige, à ce qui nous restait de conscience. Et aujourd'hui, que tous les signaux sont au rouge, que le régime lui-même nous répète tous les jours que la grande Zerda est finie, que nous nous sommes retrouvés à faire la queue pendant des heures pour nous disputer l'ignoble sachet de lait qu'on nous consent encore. Nous continuons à ne pas vouloir comprendre que les années de vaches maigres ont bel et bien commencé. En fait, nous sommes un peu, en quelque sorte, dans le syndrome de Jha. Et pire, puisque nous n'avons pas encore compris que la dalle nous est déjà tombée sur la tête. Aujourd'hui. TSA, transparence des élections en Algérie. Quand Abdelwahab Derbal fait une comparaison avec les États-Unis par Ashira Mamri. Maghreb émergent, Abdelaziz Bouteflika explorait le recours à un implant stimulateur pour retrouver les aptitudes perdues par Al-Qadi Ihsan. Liberté, Bouira, la mafia du lait crée une véritable pénurie par R.B. Rétro-info de la semaine, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Comme chaque samedi, où nous faisons donc un retour sur les informations sur l'actualité de la semaine écoulée. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Fateh Beddali, président de Gil Jadid Europe. Bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Hassan Hiresh, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL. PNL qui veut dire ? Programmation neuro-linguistique. Merci. Zindin Tabbal, représentant MSP Europe. Oui, je suis membre du Bureau national. Membre du Bureau national, oui. Merci. Et donc, nous aurons au téléphone depuis Alger, Sassi Balgat, économiste et enseignant-chercheur. Burhan Messir, ex-fonctionnaire international à la retraite. Et pour la première fois, une petite surprise que nous voulions vous faire, mais que je vais vous dire parce que je ne risque pas la tentation de vendre la mèche. Riles Aynouch, journaliste chroniqueur très connu comme étant un brillant caricaturiste et qui va essayer de nous croquer quelques petits destins. Destins, quel lapsus révélateur. Donc quelques dessins pour illustrer un peu les sujets du jour. Alors, Hassan Hirsch, je commencerai par vous. Pourquoi ? D'abord, pour vous remercier d'être venu, pour vous féliciter de vous être rétabli d'une longue maladie. Je suis très content de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Jamal. Merci aux invités qui sont là avec nous et merci. Aux téléspectateurs. Merci. Alors, donc, nous allons commencer par le premier sujet, la pénurie du lait. En Algérie, c'est incroyable. Hein. Après un moment où les gens prenaient, pas tous, hein, bien sûr, du candia importé, du lait. Ça, c'est le côté riche, hein, les gens qui peuvent se le permettre.
Et d'autre côté, sachet de lait comme d'habitude, mais il y en avait à profusion. Et puis d'un coup, c'est la grosse, mais grosse pénurie. Et les gens se lèvent aux aurores pour essayer d'aller arracher au milieu de la foule leur petit sachet de lait. Et c'est terrible, nous dit-on. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi arrive cette pénurie arrive-t-elle maintenant? C'est extrêmement symbolique parce que le lait est nourricier. Il faut dire aux téléspectateurs qu'en fait, l'être humain, l'homme, boit du lait depuis 20 000 ans, qui n'était pas destiné à boire du lait puisque nous sommes le seul mammifère qui buvons du lait en tant qu'adulte. C'est vrai. Une petite introduction comme ça. Je l'avais jamais remarqué. Comme quoi. Donc, et nous buvons du lait qui ne vient pas de notre mère. Absolument. Qui vient des mères des autres, quoi. Absolument. D'accord. Donc, c'est symboliquement un produit nourricier depuis des siècles. Et par rapport à un sujet qu'on va traiter tout à l'heure, il faut juste espérer qu'on ne recommande pas à Bouteflika de boire beaucoup de lait parce que la pénurie va s'accentuer. C'est méchant. Donc, c'est absolument dramatique parce que ça fait partie des produits de première nécessité dans la mesure où la grande majorité des Algériens manquent de tout. Absolument. Et donc, très souvent, on se contente de prendre du lait avec du pain sec, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Ce sont les protéines du pauvre, par les temps qui courent. Tout à fait. Donc, c'est particulièrement indispensable. Mmh. Et quand on voit les pays voisins, la Tunisie et le Maroc, qui ont des potentialités beaucoup plus faibles que les nôtres, eux ne connaissent pas ce problème. Et il faut se demander si, comme dit le journal Liberté, s'il n'y a pas une mafia du lait, une mafia au sens évidemment politique, c'est-à-dire qui augurerait éventuellement une espèce de confrontation au niveau social, de revendication au niveau social, et qui préparerait un clan ou un autre pour une bagarre. Vous voulez suggérer que la pénurie pourrait être organisée? Malheureusement, c'est jamais exclu dans un régime comme celui-ci. On l'a vu avec l'huile, on l'a vu avec la semoule les années précédentes, on l'a vu dans les années 80. Avant 88, c'est ce qui est arrivé. Juste avant 88, on a assisté à des pénuries du genre. Absolument. D'où, évidemment, on peut tout à fait craindre le pire. Avec effectivement ce manque de lait, une dorée particulièrement importante au niveau populaire. Vous pensez à cette possibilité que la pénurie puisse être organisée? Mais écoutez, elle peut être organisée du moins sur le plan symbolique. Comme ça a été évoqué, le lait et le pain constituent les deux matières première du pauvre et de tout Algérien au quotidien. On peut y voir effectivement un symbole de préparez-vous, les choses ne vont que s'aggraver. Parce que si on touche à la première matière consommée par le citoyen, ça augure du reste. Mais permettez-moi aussi de revenir sur... Je n'ai pas bien compris. Vous pensez que c'est organisé de façon à faire sentir du doigt, si je peux dire, la crise qui arrive pour dire aux gens, préparez-vous, vous allez connaître vos années noires maintenant que c'est fini, la prospérité... Effectivement, ça peut être interprété de la sorte. Mm-hmm. Mais si on creuse le sujet du lait, que je connais un peu pour d'autres raisons, c'est sensible. Pourquoi? Parce que l'Algérie, si autour de la table ou nos téléspectateurs ne le savent pas, est le deuxième pays importateur de lait. Et vous allez me deuxième dire... Deuxième pays importateur de lait au monde? Au monde. Poudre de lait. Poudre de lait, hein, plus exactement. Oui, mais on n'importe pas du lait en liquide, oui, oui. On importe en poudre. Oui. Et je reviendrai vers cette question pour vous demander si c'est permis de vendre du lait qui a été transformé, additionné d'eau. Parce qu'ici en Europe, ça ne se fait pas. On pourrait revenir sur les aspects techniques si vous le souhaitez. Mais donc pour continuer, étant le deuxième pays importateur de lait, si on fait un ratio cartésien et logique de la population qui consomme vis-à-vis de ce qui est importé, on est le second après la Chine. Vous imaginez ce que ça indique. Mais je présume qu'on doit être les deuxièmes très loin derrière. On n'est pas très loin derrière. Ah bon? C'est ça le souci. C'est incroyable. Et ça interpelle au moins sur le plan économique, parce que c'est quand même un capital important qui est investi dans l'importation du lait. Même si on peut constater que depuis quelques décennies ou quelques années,
on tend à compenser cette dépendance d'importation du lait par de la production locale, mais qui est limitée par les conditions climatiques, par les conditions d'élevage, etc. Donc tout cela pour dire que l'Algérie, qui était à un moment donné, avec ses ressources pétrolières et gazières, la vache à lait, pour certains autres pays, là on retombe sur une autre métaphore, où on est dans une situation de crise du lait. Si vous avez constaté ce matin ou hier, le directeur de l'ONIL, l'Office national du lait, qui dit que c'est une simple correction à la marge de réduction de 6%. Or, on peut difficilement comprendre qu'une telle crise sur le terrain ne soit que 4,6% qu'à la réduction de 6%. Voilà, c'est-à-dire que si c'était plus, ça serait. Ça serait une catastrophe. Zidine Tabal, vous disiez maintenant à l'instant que donc, c'était surtout de l'importation du lait en poudre. Ouais. On nous dit, les spécialistes, moi je n'en sais rien, qu'ici en Europe, le lait en poudre additionné d'eau ne peut pas être vendu en tant que lait en l'état, à consommer en l'état, mais qu'il sert surtout à la production de yaourts, de crème, de certains fromages blancs, etc. Mais que le lait, pour la consommation ordinaire, ça veut dire qu'il doit être bu, consommé en tant que lait, il ne peut être que du lait frais, conditionné et pasteurisé. Est-ce que c'est le cas? Je crois que la majorité du lait consommé en Algérie est issu de la poudre de lait. Oui. C'est une situation la quasi-totalité, quoi. Que l'Algérie vit depuis presque l'indépendance, parce qu'on a pris le choix de produire du lait à partir de la poudre de lait dès la création de l'ONALE au début des années 70. Absolument. Donc c'était un choix, à mon avis, qui n'est pas le bon. Mais maintenant, aujourd'hui, on dépend, la majorité des ménages algériens dépend de ce genre de ce lait de sachet. Je voulais juste parler d'un autre aspect, parce que l'importation de la poudre de lait qui est aidée par l'État, donc il est subventionné pour le vendre à un prix réduit. Et il se trouve que beaucoup de producteurs de lait de sachet utilisent ou vendent en parallèle ce lait subventionné aux producteurs de yaourt et autres crèmes glacées. C'est pour ça que la pénurie se crée d'elle-même. Ou du moins s'accentue. Non, elle a été créée il y a quelques années, 2 ou 3 années, et elle s'est accentuée. Parce que le lait est détourné de sa vocation première. Oui, il est détourné. Celle soutenue par l'État. Oui, parce qu'en Algérie, la plupart des aspects de la corruption, il est dans les cas où dans les produits subventionnés par l'État. Parce que c'est des produits qui sont subventionnés, donc ces industriels-là, donc ils vont le vendre en état et ils vont faire une marge qui est très importante par rapport au cas où ils vont le produire. Et vu que l'État et l'ONIL, l'Office spécialisé, n'a pas les moyens de contrôler cette chaîne de production, on arrive à cette situation. Donc, vous avez entendu parler aussi de cette autre forme de faire du profit de façon irrégulière ou du moins malhonnête, dont l'État n'ignore rien, mais il ne fait rien pour la réprimer, et qui consiste pour les producteurs de lait à mettre plus d'eau que ce qui est préconisé. C'est ça. Moi, j'habite en Algérie, je suis juste ici pour une visite et j'achète tous les jours mes sacs de lait comme tous les Algériens. Et ça nous arrive de voir que la concentration du lait qu'on consomme, elle est vraiment médiocre. Et ça, c'est une situation que la plupart des Algériens connaissent. Exactement. Et puis, quand ils vont acheter, ils savent que cette société, elle produit du lait qui a faible concentration. Donc, ils vont se concentrer sur un producteur ou deux qui donnent de la qualité. Donc, cette crise de lait est en quelque sorte une des formes des erreurs, des grandes erreurs économiques et de la défaillance de notre économie. On n'a pas pu trouver une solution à la crise de lait qu'on vit depuis des décennies. Sassi Belgat, vous êtes avec nous? Sassi Belgat? Est-ce que Sassi Belgat est avec nous, s'il vous plaît? Sassi Belgat? Donc,
Je reviens à Sassi Belgat dans un moment. Bran Msir, vous êtes avec nous. Bonsoir, monsieur Benchinouf. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Maralibia. Merci, Burhan. D'abord, sur ce sujet du lait, très rapidement, parce que nous devons passer à d'autres sujets, votre avis sur la question? Écoutez, le problème de la poudre de lait, c'est en réalité, c'est un des problèmes du gros problème qui est la subvention d'une manière générale. Parce que le problème, il se pose avec la poudre du lait, il pourrait se passer, il se poser également demain avec la farine. Parce que le problème ne se pose pas par rapport à la farine maintenant, parce que le pain n'est pas vendu à son prix réel. Le pain maintenant, c'est 10 dinars, 15 dinars, jusqu'à 20 dinars la baguette. Donc il s'avère maintenant qu'il y a une forte tension sur le lait par rapport à entre guillemets, à ce qui est dit actuellement, le manque de la poudre du lait. Mais n'oubliez pas que par rapport à la préparation du projet de loi de finances de 2017, il est dit qu'il va y avoir un retrait plus ou moins progressif des subventions de l'État. L'État va se retirer progressivement. Maintenant, les subventions sur les produits de première nécessité de première nécessité. Maintenant, comme il y a une forte tension, si demain, à partir de demain, dans la loi de finances, à partir de janvier, le sachet de lait se vend 35 dinars et qu'il est disponible, c'est tout le monde qui va trouver son compte. Donc ce problème de poudre de lait rentre dans un cadre global du gros problème des subventions qui sont accordées, ça et là, d'une manière très, très, très anarchique. Restez avec nous, Bran Msir. Sassi Belgat, vous êtes avec nous? Sassi Belgat? Oui, je vous entends, oui. Ah, très bien. Merci d'être avec nous, Sassi Belgat. Donc, vous êtes économiste et enseignant-chercheur. J'avais oublié de présenter Bran Msir, qui est ex-fonctionnaire international à la retraite. Sassi Belgat, qu'est-ce que vous pensez de cette pénurie de lait? Oui, merci d'abord pour l'invitation. Merci. Merci à Al-Rabia. Merci à vous. Je crois que la question du lait, autant des autres produits que nous importons, des produits agroalimentaires que nous importons, blé, etc., a été très très mal dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé sur un choix de développement et un choix aussi de société. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Où est-ce qu'on peut produire? Et comment? Parce que la question du lait, il faut contextualiser un peu la problématique. En 1970, l'Algérie, on consommait 950 millions de litres. Aujourd'hui, nous sommes à 5 milliards de litres en 2015. C'est les dernières statistiques. Donc, fondamentalement, l'Algérie est condamnée à rester un pays importateur de lait en poudre ou autre. Hein. On n'a pas le choix pour des raisons d'abord écologiques. L'Algérie, ce ne sera jamais le grand bassin à liquer. Parce qu'elle ne peut pas produire de fourrage vert? Elle n'a pas de pâturage? Attendez. Produire du fourrage vert, ça consomme énormément d'eau. D'eau, énormément. Oui. Quand vous avez un litre de lait produit, c'est 1000 litres minimum. Hein. Attendez que nous puissions digérer ce chiffre. Pour un litre de lait, c'est 1000 litres d'eau minimum. Minimum, oui, minimum, mais dans les conditions. Et ça, pas pour un climat semi-aride. Hein. Semi-aride. Ça, c'est dans un climat méditerranéen humide, c'est-à-dire littoral. Si vous allez vers le sud, vous descendez sur le haut plateau, c'est dans les 2000 litres, 1500 à 2000 litres d'eau. Vous m'en direz tant. Restez avec nous, Sassi Belgat. Nous allons être obligés de passer à la vitesse supérieure pour pouvoir aborder tous les sujets. Et nous allons voir maintenant le dessin de Riles Aynouch sur la question du lait. Riles Aynouch, merci d'être avec nous. Donc, ce premier dessin sur la pénurie du lait. Voilà, Jamel Dine est un... Pénurie du lait, plutôt pénurie de l'eau. Ça tombe très bien, vous venez exactement de rejoindre
ça c'est Balgat dans ce qu'il est en train de dire. Et le sac qu'on voit dans la main du consommateur, c'est quoi? De l'eau. Ah. C'est un sachet de lait, mais c'est tellement éladé que voilà, elle n'est pas de lait. C'est juste la couleur, voilà. Tellement dilué que en fait, nous n'avons pas de problème de lait. C'est de l'eau qu'on va acheter chez l'épicier du coin. Merci, voilà. Merci, Rilas, restez avec nous. Alors, donc je reviens à Hassan Hirsch. Et nous allons passer au sujet suivant, encore que ce sujet est très intéressant. Peut-être juste un mot pour ce sujet avant. Oui. Ce qu'il faut retenir de tout ce que vous avez dit les uns et les autres, et vos correspondants, c'est la contrefaçon. Oui. C'est-à-dire que finalement, dans tout produit, en toutes circonstances, l'État introduit la contrefaçon, ce qui évidemment nourrit le grand banditisme. Oui. D'État. Il y a tous les niveaux. Parce que tous les niveaux. J'avais évoqué la parabole en disant que c'est la vache à lait. Oui. Ça va du niveau macroéconomique et mondial, parce que, je le répète, on est le deuxième importateur de lait, jusqu'à la fraude au plus bas niveau de la chaîne, qui a été relatée par plusieurs d'entre vous, c'est-à-dire que le lait est loin, ça relève de la fraude. Additionné de beaucoup plus d'eau qu'il n'en faut. On n'a pas les constituants basiques qu'on pourrait attendre d'un lait. Je vais vous dire autre chose qu'on m'a dit, je m'en suis rappelé. On m'a dit que le sachet de lait, lorsque du lait est conditionné dans des sachets de lait, les sachets plastiques, les sachets doivent contenir à l'intérieur une pellicule noire très épaisse pour empêcher que la lumière pénètre, parce que sinon ça provoque la création de bactéries de toutes sortes je ne veux pas trop monopoliser la parole sur le lait parce que c'est un sujet qui me passionne également, mais avant d'arriver à la pellicule noire qui permettrait, on peut espérer que la chaîne est tellement courte ou que l'exposition au soleil, etc., est protégée. C'est à peine sorti de la machine que c'est déjà vendu. On peut imaginer cela. Mais le plus grave, c'est, avez-vous vu des contrôles au niveau des chaînes de froid depuis la production de l'usine, où le transport doit être garanti, que ce soit pour le lait ou pour les produits laitiers, à une température donnée, depuis l'usine jusqu'au réfrigérateur du consommateur? Ce n'est pas le cas du tout. Surtout en on été, les voit sur les étals, on les voit sur moi j'ai vu des sachets de lait qui se transforment en petit lait ou en lait caillé. Il faut arriver à la maison. Voilà. Alors, nous allons passer au sujet suivant, qui est celui des législatives et de la désignation de M. Derbel Abdelwahab, islamiste notoire. Et tout le monde dit qu'il a été nommé pour ça, parce que c'est un islamiste. Pourquoi avoir nommé un islamiste à la tête de cet organisme de surveillance des élections? Est-ce parce que les islamistes sont supposés être plus moraux, plus vertueux que les autres politiciens? Personnellement, je pense que ça procède des mêmes manœuvres habituelles, c'est-à-dire mettre quelqu'un en avant pour cacher en fait l'essentiel. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pour dire que voilà, on vous met quelqu'un d'intègre à la commission qui va surveiller les élections, mais que, comme d'habitude, on va avoir des élections à la Nejlène, et c'est à prendre ou à laisser, malheureusement. Donc, on est dans une situation où on essaie, par tous les moyens, la diversion. C'est-à-dire, l'opposition demande la révision des fichiers, demande de comment on va garantir une élection propre, transparente, etc. Une égalité au niveau des partis, aussi bien de ceux qui participent que ceux qui boycottent, au niveau de l'information, de l'accès à la télévision, à la radio, dans les journaux, etc. Et hop, on focalise le débat des élections législatives sur un personnage ami de Bouteflika qui a été nommé pour effectivement des raisons plus de détournement de l'attention de l'opinion publique que véritablement de procéder enfin à des l'installation de mécanismes qui puissent garantir de véritables élections transparentes. Absolument, et honnêtes. Absolument, revenir à un minimum de transparence tel que nous l'avons connu en 1990. Écoutez, enfin, je ne veux pas revenir sur la personne elle-même, parce que je n'ai pas ni un jugement, ni le droit de porter quoi que ce soit, ou un regard sur son intégrité ou sa probité. Juste une précision. La personne en question est arrivée, elle a dit « Je remercie Abdelaziz Bouteflika de m'avoir désigné, d'abord,
qui est un signe. Ensuite, elle a dit, non, toutes les garanties ont été prises pour que ces élections soient propres et honnètes. Dire, ça y est, il a donné un chèque à blanc. Et qu'ensuite, il appelle tout le monde à venir voter. Donc, voilà. Et je vous laisse poursuivre. Encore une fois, on verra bien les résultats. Mais permettez-moi quand même de revenir sur certaines réserves que Jill Jadid avait portées il y a déjà fort longtemps sur le fait qu'on ira aux élections qu'à partir du moment où tout le monde est d'accord sur la règle du jeu, sur la façon de faire dérouler ces élections avec des contrôles à toutes les étapes, depuis les listes électorales en amont jusqu'au dépouillement et à la proclamation des résultats à la fin, parce que c'est un tunnel qui est tellement obscur et sombre que personne n'est capable de dire où se fait ou ne se fait pas la fraude, etc. Donc, quelle sera la marge? La question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui, c'est quelles seront les marges de manœuvre pour M. Delval? Quelles sont les garanties qu'il pourra donner en tant que personne responsable de cette opération-là vis-à-vis de des partis politiques? Et encore une fois, quels seront les moyens qu'il aura en sa possession pour suivre les élections? Parce qu'on sait très bien avoir un suivi sur des milliers de centres de vote est une opération presque impossible à suivre, si ce n'est que vers des relais locaux, que à travers des comités qui ont toute légitimité, pour être sûr de ce qui se passe. Sans aller, juste un mot pour conclure, sans aller à ce dont on nous a malheureusement habitués, une proclamation avec des chiffres sortis du chapeau le soir même par le ministère de l'Intérieur, et puis voilà, incontestable et incontesté. Bon, nous, en tant que parti politique, on a dit clairement que, c'est-à-dire on va voir ça sur le terrain. Vous allez aller aux élections? Nous allons participer. Très bien que... Il n'y a jamais eu d'élection propre et honnête, sauf en 91. Les seuls qui ont été relativement honnêtes ont été interrompus par la violence. Quand même. Nous, on a participé depuis 1995-1997 à toutes les législatives. Vous avez même fait partie de l'alliance présidentielle. Oui. Donc on a participé, on sait ce que c'est une élection sur le terrain. D'accord. On sait ce que c'est que la fraude, comment elle se fait. On a toujours participé. On est en savant et en essayant de militer sur le terrain pour avoir nos voix. D'accord. Parce qu'on sait que quand on est présent dans le bureau avec des contrôleurs, malheureusement, il n'y a pas un parti politique qui peut être dans 50 000 ou 60 000 bureaux de vote en Algérie. Mais on a toujours participé et on savait tous ces outils qui sont utilisés pour la fraude électorale. Vous avez participé sachant qu'il y a fraude? Qu'il y a répartition des quotas, des élus sont désignés à l'avance, que des têtes de liste s'achètent au souk, aux enchères, que la corruption fait rage à qui achète deuxième, troisième tête de liste. Non, c'est pratique. Et on dit même que le MSP est rentré dans les rangs. Temps d'Abou Jarrah Soltani, qu'il a fait partie de la fameuse alliance présidentielle, que ils ont eu leur poste de ministre et tout, que beaucoup de gens dans vos rangs sont devenus des milliardaires, des hommes d'affaires. Non. Nous, on a participé depuis 1997. Oui. Donc, on a boycotté les élections présidentielles. On a fait notre analyse et notre institution, qui est le Conseil consultatif national, a décidé en toute liberté de participer. On a notre analyse de la situation. Nous, on est sur le terrain. On a des élus dans les wilayas, dans le Parlement depuis 1997. C'est vrai qu'il y a des partis politiques ou des gens qui voient que le boycott est la meilleure solution. Nous, on ne trouve pas que le boycott est la meilleure solution. Qu'est-ce que vous allez changer en étant à l'intérieur d'un Parlement ou même dans le meilleur des cas, vous ne serez que minoritaire? Notre analyse est la suivante. Oui. Participer, ça ne va pas ramener des avantages, et boycotter, ça ne va pas ramener des avantages. Quelle est la solution qui est la plus appropriée à la situation en Algérie? Nous, on fait de l'opposition sur le terrain. Oui. Sur le terrain. Oui. On fait de l'opposition. D'accord. On n'est pas dans un pays démocratique comme la France ou comme les pays européens où
les gens qui boycottent ont la possibilité d'être dans les médias, d'expliquer leur position. Et nous sommes un parti qui est présent dans les wilayas. On ne dit pas qu'on est un parti qui est le plus grand parti ou le premier parti. On est un parti avec les autres partis politiques et même les autres partis de l'opposition, soit de la coordination avec le RCD, et le FJD et les autres, ont déclaré qu'ils vont participer à ces élections pour des raisons de terrain, parce qu'ils sont présents. Ils vont avoir des élus. Avec ces élus-là, ils vont essayer de changer la situation sur le terrain. Est-ce que vous avez déjà réussi? Moi, si j'ai un député dans ma wilaya, oui. Si j'ai des élus dans les APC, je peux changer. Je peux changer la situation partiellement. C'est vrai qu'au niveau national, c'est très difficile quand il y a une majorité. Et même nos députés, ils ont des marges qui sont très restreintes. Mais vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la loi de finances de 2016, les discussions de la loi de finances. Nos députés écrivent et donnent des questions orales au ministre chaque semaine sur tous les problèmes qui arrivent en Algérie. Je vous rappelle qu'un député du FJD, de M. Djaballah, a levé le contrôle judiciaire sur trois politiciens. Et vous pensez que c'est lui qui l'a levé? Non, c'est pas lui qui l'a levé. Il a posé la question et on lui a répondu qu'il l'a levé. Il y avait une situation délibérée par des gens qui de la justice qui ont mis ces gens-là sans preuve, interdit de quitter le territoire national, sans contrôle judiciaire depuis 2009. Mais et vous pensez que c'est le député qui a levé l'interdiction? Non, c'est pas lui. Mais le député a posé la question. Il a mis ça sur la table. Et comme c'était une chose injuste, il y avait les médias qui ont rapporté ça. Et on a le fait aujourd'hui que le contrôle judiciaire injuste a été levé. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je respecte votre point de vue. Nous allons demander à nos autres invités. Sassi Balgat, vous êtes avec nous? Sassi Balgat. Je reviens à Sassi Balgat dans un moment. Brahan Messir. Oui. Sassi Balgat est avec nous. Sassi Balgat. Oui. Alors, nous parlions des élections législatives. Des élections, oui. Alors, donc on a désigné un monsieur qui roule dans le trottoir islamiste. Et donc, tout le monde dit qu'on l'a nommé parce que c'est un islamiste, parce que les islamistes, comme les autres, ont utilisé du fameux fonds de commerce révolutionnaire, historique, légitimité et tout, comme d'autres ont utilisé de la ALN, de l'AMP, digne héritière de la glorieuse ALN. Les islamistes utilisent l'étiquette « nous, nous parlons au nom de Dieu lui-même ». Et donc, ils ont une... ils véhiculent une étiquette de gens plus moraux, plus vertueux que les autres. Et donc... beaucoup de gens pensent que le régime s'est servi de ça pour enfumer les gens, quoi, pour que la fraude soit moins visible. Qu'est-ce que vous en pensez, Sassi Balgat? Moi, au-delà de la personne, parce que bon, à la limite, c'est à la marge. La question de fond, c'est ces élections, tout le dispositif, hein, c'est un formalisme pseudo-démocratique. Je vois pas quelle a été l'utilité de l'Assemblée nationale, du Parlement, dans toutes les questions importantes qui se posent à la nation. Donc, je vois pas, c'est-à-dire que dans cette structure-là, aujourd'hui, on fait faire à une assemblée, c'est une assemblée de représentants, mais en réalité qui n'ont absolument aucune incidence sur la vie politique et économique du pays. Donc la question de fond qui se pose, c'est la question des institutions, d'abord de l'importance des institutions et du respect de la fonction de chacune des institutions. Donc quand je vois par exemple à un niveau local, un wali qui suspend un élu, un maire, là, c'est on est quasiment dans un non-sens. Je trouve que c'est tout est à rediscuter. C'est là où les citoyens, les gens qui sont les patriotes, ceux qui sont véritablement soucieux du développement et de la pérennité de l'État-nation Algérie, doivent
résoudre cette question politique qui se pose à lui depuis très très longtemps. Ça c'est Belgat. Hier, j'avais ici sur le plateau un invité qui s'appelle Rachid Nkaz, qui nous a affirmé, en nous regardant dans le blanc des yeux, sans sourciller, il nous a dit que l'Algérie était démocratique à 85%. Il a donné un chiffre très précis. Il n'a pas dit 80, il n'a pas dit 90. Moi, j'aurais voulu qu'il nous dise, par exemple, 86 ou 84%, pour que ce soit, ou par exemple, 84,7%. Mais enfin, il a dit 85% comme ça à la louche. Et donc, moi, j'aurais voulu savoir de vous, au sujet de la séparation des pouvoirs, qui sont le fondement même de l'état de droit. Est-ce que nous avons une séparation nette des pouvoirs en Algérie? Non, à l'évidence, on n'a pas de séparation. Je viens de vous donner un exemple patent. Un Wali, donc un commis de l'État, non élu, donc ce n'est que le représentant d'une machine gouvernementale, ministériel ou autre, qui a les prérogatives de suspendre un élu. Au lieu il y a des élus qui font pas leur boulot, c'est aux citoyens de les destituer. C'est eux qui les ont élus. Restez avec nous, Sassi Belgat, je reviens à vous dans un moment. Nous avons perdu, en attendant de retrouver Burhan Messir, que nous avons encore perdu, nous allons d'abord retrouver Riles Aynouch, qui va nous présenter donc le deuxième dessin. Riles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Rapprochez-le un petit peu. Pas trop. Voilà. Alors, Derbel fait une comparaison avec les USA. Alors ensuite. Aux États-Unis, on connaît les candidats avant les élections. En Algérie, on connaît les résultats avant les élections. Voilà. Alors, vous avez quelque chose à dire sur le dessin, messieurs ? C'est extrêmement intéressant et ça reflète tout à fait la réalité algérienne, malheureusement, à savoir que depuis l'indépendance, à l'exception du début 90, nous avons toujours connu, aussi bien au niveau de la présidentielle, des législatives et même des municipales et wilayales, un certain nombre donc de personnes qui sont automatiquement élues entre nous et qui, évidemment, sont tout à fait autour du cercle du pouvoir. Maintenant, la question qui se pose aussi aujourd'hui, et c'est ce qui a été adressé à Zindine, c'est ça, oui. Je ne défends pas votre nom, du MSP, oui. C'est de savoir, est-ce que les partis aujourd'hui qui sont dans l'opposition, comme vous, malgré votre passage au niveau de la coalition gouvernementale, est-ce que ces partis de l'opposition s'engagent, quel que soit le résultat qu'on leur accorde, à ne pas s'acoquiner avec le pouvoir, à ne pas participer au gouvernement, à ne pas envoyer de ministres pour légitimer justement cette mascarade qui est une mascarade, c'est juste pour se donner une allure très, très comptable au niveau international. C'est juste pour dire qu'on organise des élections, que nous sommes un système démocratique, que nous avons une presse libre, que nous avons des élections libres, etc., etc. Donc, est-ce que les partis de l'opposition... Je vais laisser Zindine Tbal vous répondre, mais avant, nous venons de retrouver Burhan Messir, avant que nous le perdions de nouveau. Donc, Burhan Messir, vous êtes avec nous? Oui, je suis là, monsieur, vous m'entendez là? Oui, là, très bien. Alors, Burhan Messir, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cet aspect, j'allais dire, organique, structurel des élections, à savoir le fichier électoral, le vote des corps constitués, le vote des itinérants, un peu tout ça, si vous pouviez nous donner des pistes et des lectures, de façon assez sommaire, assez lapidaire, s'il vous plaît. Oui, si vous permettez, avant d'aborder le fichier électoral, je voudrais revenir sur la création de cette haute instance indépendante. Oui. Si c'est possible. Oui, je vous en prie. Oui. Allô. Donc, là, personnellement, en tant que citoyen, je suis étonné par rapport à certaines déclarations de certains partis politiques et de certaines personnalités qui nous disent, qui nous rassurent, entre guillemets, que par rapport à la création de cette haute instance, plus rien ne sera comme avant, c'est-à-dire les choses vont changer et qu'il ne va pas y avoir de fraude, il ne va pas y avoir
de malversations, de problèmes au niveau des prochaines élections. La question que je me pose en tant que citoyen, qu'est-ce que cet autre instance va apporter de plus par rapport à ce qui a été déjà fait par les autres commissions? Et là, si vous permettez, M. Benchineau, pour répondre à cette question, je me renvoie personnellement vers deux références réglementaires qui sont premièrement... Je ne sais pas si vous m'entendez, oui, M. Benchineau. On vous entend très bien. Tant mieux. Donc la première référence, c'est la loi suprême du pays qui est la Constitution, et la deuxième référence, c'est la loi organique de cette haute instance. Maintenant, par rapport à la Constitution et à l'article 194 qui parle de la création de cette haute instance, ce qui est intéressant dans cet article 194, il y a deux parties très intéressantes. La première partie, elle concerne la composante. Vous savez que cette haute instance est composée d'environ 410 membres en plus du président. Et que cet article, cette première partie de cet article de la Constitution nous dit que les membres de cette instance, et cette instance plutôt, est composée à parité. C'est-à-dire quand il va y avoir des magistrats qui sont proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et des compétences indépendantes choisies par la société civile. Par rapport à cette deuxième partie, la société civile, en fin de compte, c'est le CNES, c'est le Conseil national économique et social qui a choisi les membres. Et jusqu'à aujourd'hui, la liste officielle des membres de cette haute instance n'a pas encore été publiée au journal officiel. Deuxième grand point de cet article 194 avant d'aborder la loi organique. Parmi les prérogatives de cette instance, il est dit qu'elle est là pour formuler des recommandations, donc c'est des recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif, c'est-à-dire réglementaire, régissant tout ce qui est opération du scrutin ou électoral. Alors, si on s'arrête à ce stade-là, donc elle ne fait que formuler des recommandations, entre guillemets, c'est devenu presque une instance consultative. Oui, au sujet du fameux fichier électoral, des listes électorales, de ces morts qu'on fait voter généralement par masse entière, tout le monde le sait, c'est un secret polichinelle. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire autour de tout ça? Est-ce que cette commission va pouvoir éviter tout cela, tout ce qui s'est passé depuis tout le temps, de toute façon? Théoriquement, dans la loi organique, il est dit que cette commission va recevoir les listes officielles, la liste électorale de l'ensemble du territoire national. D'accord. Maintenant, ça, le fichier électoral sera, enfin du moins le fichier électoral dans son aspect assainissement, sera le plus gros problème auquel fera face cette haute instance. Je vais m'expliquer. Nous avons eu des élections en 2012. Ce qui concernait des élections locales par rapport aux APC et APW, nous avons eu des élections nationales, c'était les législatives en 2012. Et en 2014, il y a eu des élections présidentielles. Oui. Et vous savez qu'à chaque fin d'année, le dernier trimestre de chaque année, il y a ce qu'on appelle l'assainissement de la liste électorale qui se fait. Alors, je vais vous renvoyer vers les élections de 2012. Au 31 mars, je me rappelle très bien, au 31 mars 2012, et là, ce sont des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. À cette époque-là, au 31-12-2012, il y a eu un assainissement du fichier électoral. Et cet assainissement a donné lieu, et je vous répète les chiffres, à 226 000 nouvelles inscriptions et à 96 000 radiations. Ce qui portait à l'époque le corps électoral à plus de 20 673 000 électeurs qui sont résidents en Algérie. Et officiellement, il y avait 9 000 électeurs, s'agissant bien évidemment de la communauté nationale établie à l'étranger. Donc 20 600 000, 673 000. 900 000. Hein? 900 000, pas 9 000. Non, les chiffres qui avaient été avancés en 2012, c'était 9 000 électeurs. 9 000 à l'étranger? Toute la diaspora à 9 000? C'est ce qui a été, ce sont les chiffres officiels qui ont été donnés par le directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur. D'accord, notre invité ici, Zinedine Tbal, insiste que c'est 900 000, mais bon, je vous laisse poursuivre. Ça ne peut pas être 9 000 normalement. Maintenant, par rapport aux élections présidentielles d'avril 2014. D'accord, mais je vous laisse poursuivre, Brahim Messir. Très bien. Donc, rappelez-vous, il y avait, par rapport au corps électoral, nous étions à peu près 20 millions et quelques d'électeurs. D'accord. Par rapport aux élections législatives d'avril 2014, l'assainissement a donné lieu à une nouvelle liste et le corps électoral était établi à peu près 22 800 000 électeurs. Donc, de 20 600 000, nous sommes montés à 22 millions. Le problème, où est-ce qu'il est? Le 15 décembre 2014, c'est-à-dire soit à peu près 8 mois après les élections présidentielles,
Le directeur général de la modernisation des archives au ministère de l'Intérieur nous communique un chiffre de 3 millions. Ces 3 millions, à l'époque, il avait dit au niveau des 1541 communes du pays, il y avait 3 millions à peu près de décès qui n'étaient pas portés en marche sur les états, sur les trucs d'état civil. Donc, faut-il croire, faut-il comprendre alors, que ces 3 millions ont été comptabilisés sur le corps électoral? Est-ce qu'ils ont voté? Est-ce qu'ils n'ont pas voté? Là, ce sont des chiffres qui ont été donnés le 15 décembre 2014. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Mais restez avec nous, Brahim Messir. Un dernier mot sur ce sujet. Non, c'est juste que... Très vite, parce que nous allons passer au sujet. C'est-à-dire, il n'y a personne en Algérie aujourd'hui qui peut vérifier le... Parce que si on compare la population algérienne à la population marocaine, elles sont proches. À peu près, oui. Au Maroc, il y a à peu près 18 millions ou un peu moins d'électeurs. Oui. En Algérie, on nous dit qu'il y a à peu près 22 à 23 millions d'électeurs. Oui. C'est-à-dire que nous, les partis politiques, on a accès à des CD qui sont illisibles. Oui. On ne peut pas les vérifier parce que tu peux avoir le même nom et prénom de la personne 6 ou 7 fois. Il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas d'adresse. Donc on ne peut pas vérifier la véracité des informations. Et ça, c'est parmi les points qui ont été soulevés par les observateurs de l'Union européenne pendant les dernières élections. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'outils. Tandis que, par exemple, dans un pays comme la Mauritanie, la liste électorale elle est publiée sur le net. Et chaque personne, chaque parti politique a accès à la liste. Il peut s'opposer ou corriger des informations. Donc, par rapport... Donc là, ils ont de la marge pour jouer. Largement. Je voudrais juste un peu commenter ce que notre expert a parlé de nous en tant que parti politique, membre de l'opposition. Le président de notre parti, M. Abdelzak Makhri, l'a dit clairement, on ne va pas répéter ce qui a été fait avant. On ne va pas être une façade à n'importe quel gouvernement. On a juste ouvert l'option d'un gouvernement, s'il y a la possibilité d'un gouvernement d'union nationale, avec l'opposition, tous les partis de l'opposition, pour un programme, c'est-à-dire un programme politique et économique. Tous les partis de l'opposition, y compris ceux qui ne seront pas à la PN? Bien sûr. Quand on dit un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est large, qui est ouvert, parce qu'on pense que la crise économique, pour résoudre la crise économique, on a besoin d'un consensus politique. On ne peut jamais faire des réformes qui sont très difficiles par rapport à notre pays, que ce soit par rapport aux subventions ou par rapport à tous les aspects que les Algériens ont eu l'habitude d'avoir ou faciliter, si on n'a pas un consensus politique. Très large. Ce que je constate à travers cette discussion autour des élections, bien sûr, on a avancé des chiffres pour les fichiers électoraux, etc. Mais on a, à mon sens, oublié un mot qui est fondamental, qui est le citoyen. Parce qu'après tout, celui qui va mettre l'enveloppe dans l'urne, c'est bien le citoyen. Et oui, c'est celui-là dont on parle. Et dans une vraie démocratie, c'est cette cible-là qui est au cœur. Malheureusement, on ne l'a pas évoqué. Et malheureusement, c'est à lui qu'on doit des comptes et c'est à lui qu'on doit s'adresser. Comment expliquer au jour d'aujourd'hui qu'on puisse dire qu'on a été ou qu'on est dans l'opposition, qu'on combat un système, qu'on combat la manière de gouverner et la gouvernance de certains, et qu'au moindre signal, tout le monde se retrouve au starting block pour dire bah, « Tiens, il y a les élections dans 4 mois, allons-y tous ». C'est une vision qu'on ne partage pas. Bon, ça, ce n'est pas un secret, mais qu'on aura l'occasion, je suppose, de débattre. Mais il y a une certaine éthique. Et si on veut renouer et retrouver la confiance du citoyen vis-à-vis de la politique au sens digne et au sens le plus noble de ce terme-là, eh bien, il faudrait avoir des cohérences, il faut avoir des convictions auxquelles on croit et y tenir. Merci. Alors, il nous reste 2 sujets. Plus de temps presque, donc nous allons aller très très vite. Trump, Reels, nous avons vu le dessin sur les élections. Nous allons commencer par voir le dessin sur Trump avec Reels. Voilà. Alors, un peu plus en arrière, on ne voit pas le dessus. Au-dessus, voilà. Alors, Trump président, j'ai besoin d'un balai pour commencer.
pour balayer Vous balayez 11 millions de clandestins latinos. Ah, voilà. Eh ben, merci. Et les latinos et les musulmans. Voilà. Merci. Nous revenons à vous dans un instant, Rila Saïnouch, pour le dessin sur Bouteflika. Et donc, Trump, très rapidement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Trump? C'est une situation extrêmement complexe, d'abord. Si l'on s'en tient à la campagne électorale, il va de soi que tout observateur est inquiet sur l'issue de cette élection, à savoir que le président Trump, parce qu'il faut maintenant l'appeler président, oui, a promis un certain nombre de choses, notamment en matière de l'immigration, construction d'un mur de 1600 km, expulsion de 11 millions de clandestins. Absolument, tout est dans la démesure, tout est dans le délire. Oui. Il a promis aussi une reconfiguration de la politique. Voilà, alliance avec la Russie. Par exemple. Entre autres, oui. Donc, ça annonce un bouleversement géopolitique, géoculturel, et au niveau aussi de la circulation des biens, des personnes. Il a l'intention de revoir un certain nombre d'accords qui ont été signés, même ratifiés, oui, par les États-Unis, notamment, oui, celui qui lie le Mexique, le Canada et les États-Unis. Donc il y a un certain nombre de points comme ça qui nous semblent impossibles à tenir, mais que si évidemment il les tenait, ça provoquerait beaucoup de remous. Quelles seront ses relations avec l'Europe, avec l'Afrique, quel sera avec le Moyen-Orient. Avec le Moyen-Orient particulièrement. Ouais. Et aussi, quelle est sa politique vis-à-vis de l'OTAN, sachant que le pacte de Varsovie n'existe plus depuis... Il en a parlé, il a dit qu'il faut que l'OTAN se prépare à payer plus et à revoir ses stratégies. Je veux qu'à partir de maintenant, l'OTAN n'ait plus comme seule cible, comme seule vraie véritable priorité, que la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les flux migratoires. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire par rapport à ces annonces qui sont absolument terrifiantes pour un certain nombre d'entre elles. Le deuxième point, c'est de se dire, est-ce que réellement Trump, une fois confronté à la réalité, est-ce qu'il ne reviendrait pas sur un certain nombre de ses délires? Sur quoi il reviendra? Il a appelé l'actuel président Barack Obama à lui servir de conseiller tout au long de son mandat. Qu'est-ce qu'il en sera exactement? Toujours est-il qu'un premier enseignement, c'est que les sondages ne reflètent pas toujours l'opinion publique. Oui. C'est le cas de le dire, pour cette fois-ci, il y a vraiment les sondages. Hein, voilà. Le deuxième enseignement, c'est que, quelles que soient les bagarres qu'il y a eu entre les différents candidats, les différents clans, etc., mais qu'on a vu qu'il y a une civilisation démocratique, qu'une fois l'élection passée, tout s'est apaisé, qu'il a eu des mots extrêmement gentils, extrêmement sympathiques envers sa concurrence. On va lui laisser la chance revenir à de meilleurs sentiments. Est-ce qu'on apprendra, nous, dans notre pays, à se réconcilier immédiatement après des élections, après, évidemment, une campagne extrêmement dure, difficile. Et neuve. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que nous pouvons-nous déjà parvenir à cette culture démocratique qui est extrêmement importante? Et puis, est-ce qu'il y aura la transparence des élections, comme ça a été aux États-Unis? Parce que nous venons de le rappeler que, jusqu'à présent, l'Algérien n'a jamais pu exprimer véritablement son opinion en dehors des deux premières années, des années 90. Bon, pour l'élection de Trump, je ne vais pas répéter en première partie ce qu'a dit notre ami, mais c'est sûr que la question qu'on se pose en tant que peuple et pays de musulmans, arabes, nord-africains, c'est que qu'est-ce que ça va changer pour nous? Et moi, je dis simplement que les Américains ont choisi Trump pour leur intérêt, national, parce qu'ils croient que Trump va faire face à l'économie, C'est une partie des Américains qui l'a choisi. C'est la classe moyenne américaine. Très bien élu, hein, en termes de nombre, en termes de participation. Mais bon, c'est un processus démocratique, il a été élu. Moi, je ne crois pas que ça va changer beaucoup pour nos pays.
On a vu, par exemple, les démocrates, ils sont hypocrites par rapport à nos revendications, que ce soit par rapport à l'économie, ou que ce soit par rapport à la Palestine, aux causes qu'on a dans notre région. Mais est-ce que l'élection de Trump va changer la situation en Palestine? Est-ce que ça va changer la situation géopolitique ou la politique américaine qui court vers les intérêts, donc qui est décrétée par l'establishment, par les industries d'armes, etc. À mon avis, ça ne va pas changer. Très vite, parce que nous n'aurons pas le temps de faire peut-être Bouteflika. Beaucoup de choses ont été dites, mais ce qu'il faudrait peut-être rappeler, c'est que son slogan de campagne était donner de la grandeur aux États-Unis, redonner de la grandeur aux États-Unis. Oui. Et ça touche beaucoup au sens du symbole. Oui. Hormis le fait que le taux de participation, comme vous l'avez évoqué, a été l'un des plus faibles pendant les élections, dès les élections américaines, 54% ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faudrait peut-être retenir, c'est qu'il a aussi incarné le rejet de l'establishment, des choses établies, des choses déjà en place, des choses connues. D'ailleurs, il a été financé qu'à hauteur de 27 millions de dollars par les différents contributeurs, alors que Clinton a eu 188 millions de dollars. Comme quoi, c'est pas le financement. C'est pas l'establishment qui l'a fait. Mais le message qu'on peut avoir derrière. Sur ces frasques, sur ces effets de manche, on peut dire que c'est l'effet campagne. Voilà. On va refermer cette parenthèse-là, mais la seule chose qui, à mon sens, est vraie et ce qui compte, c'est que ce soit Trump aujourd'hui ou un autre président ou Hillary Clinton s'il a été élu, la seule chose fondamentale, c'est que l'un ou l'autre défendra toujours les intérêts de son pays. C'est sûr. Et partant de ce constat-là, qu'on dise on aurait préféré des démocrates ou des républicains pour les États-Unis ou pour un autre pays, si nous-mêmes, on n'est pas en mesure de défendre nos propres intérêts algériens, personne ne défendra notre place. Cela dit, ce qui est intéressant quand même à voir, c'est qu'il est évident qu'ils défendent l'intérêt de leur pays, mais il faut voir avec quelles alliances. Quelles alliances au niveau international. Oui, et c'est ça qui sera déterminant. Et c'est ça qu'il a promis de changer. Est-ce que les lobbies habituels seront toujours présents, influeront toujours sur la politique américaine, ou au contraire, effectivement, il changera de cap par rapport à ça? L'intérêt en ce qui concerne l'Algérie, notre pays, c'est de savoir justement quelle orientation géopolitique Trump aura, et parce que il n'est pas possible de dire qu'il n'aura pas de répercussions sur notre pays. Il y aura une répercussion mondiale, quel que soit l'ensemble politique, l'ensemble géopolitique, à plus forte raison pour un petit pays aussi faible que le nôtre. Faible gouvernance. Être obligé de vous interrompre. Ceci Balgat, il ne nous reste plus de temps, donc vous n'aurez pas la possibilité de parler de Trump. Je vous demanderai de nous dire votre avis directement sur l'hospitalisation de M. Bouteflika, dont certaines rumeurs disent qu'il est au plus mal. Je crois que c'est la question fondamentale, c'est de au-delà de la maladie, on souhaite à toute personne et à plus fort présent un président de président de la République, de retrouver toute sa santé on lui souhaite un rétablissement le plus rapidement possible. Mais ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que par la fonction présidentielle, elle a été bien abîmée. Elle a été très très abîmée. Et je crois que, moi, la question que je me pose, parce que, bon, la biologie, elle est en train de faire son travail, nous sommes de passage, et quelle Algérie on va léguer aux jeunes générations. Donc, c'est toutes les questions de la déclaration du 1er novembre de l'indépendance que nous n'avons pas réalisées. En dehors de la souveraineté nationale, il reste la question principale de la construction de l'État, et on ne peut pas construire un État en dehors du fait démocratique, donc de la démocratie, de la souveraineté du peuple, et de toutes les libertés démocratiques.
Et donc, c'est toutes ces questions là, qui se posent à moi. Donc, en dehors de, du fait qu'il soit malade, qu'on le transporte, qu'on le laisse ici, qu'on le soigne. Et d'un autre côté, il y a tous les intervenants dans toute la... Enfin, j'allais dire, enfin, tous ceux qui... du cercle un peu présidentiel qui interviennent, ils ne font qu'infantiliser encore davantage la fonction présidentielle. Le mieux, c'est qu'ils se taisent et qu'au moins, pardon, c'est un fait, on est là, malheureusement, pour des questions... Malgache, obligé de vous interrompre, vous m'excuserez, vous me le pardonnerez, on a largement débordé de notre temps. Merci beaucoup, en tout cas. Nous allons donc prendre Rilas Aïnouch pour le dernier dessin et après je me demanderai pardon à mes invités de ne pas leur redonner la parole pour s'exprimer sur Bouteflika. Alors un peu plus en arrière, Bouteflika va bientôt marcher, ça c'est Ould Abbas qui nous l'a promis. Il y a tellement de problèmes en Algérie que même... Le président va marcher. Alors le pauvre. Rilas, vous êtes méchant, Rilas. Merci beaucoup Rilas Aïnouch, merci beaucoup Burhan Messir, merci beaucoup Sassi Balgat, merci beaucoup Zindine Tabal, merci beaucoup Hassan Hirash, merci beaucoup Fatih Bendali, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bqaou ala khair, bislama.